Avec la crise sanitaire, beaucoup de festivals sont annulés, mais certains parviennent tout de même à se maintenir en trouvant refuge sur Internet. C'est le cas de la sixième édition du festival Littérature au Centre qui vient de commencer. Marianne-Hélène Lafon, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente d'honneur de ce festival et puis vous y participez très concrètement. Vous avez enregistré ce matin une lecture scénarisée. Pourquoi c'était important de le faire, même si c'est devant une caméra et sur Internet c'était important parce qu'il faut que la littérature reste au centre et qu'elle reste vive et vivace. Le festival consacré cette année à la thématique de l'animal est en report du festival de l'année dernière, qui n'a pas vu le jour. Et donc, pour que le festival reste en vie, il importait de trouver une autre formule, d'inventer autre chose. Donc en effet, euh, des captations euh, qui vont euh, donner lieu à euh, des, euh, du texte vivant, <laughs> voilà, euh, qui sera accessible au public euh, sur, euh, sur internet. On va regarder un extrait de ce que vous avez fait ce matin pour voir un petit peu à quoi ça ressemble et on en reparle. Sous la fenêtre de ma chambre, devant la maison dans le soleil, exactement, un chevreuil apparu, à l'arrêt, campé, figé devant la voiture de mon neveu, la contournant à pas menus, la flairant, tendant le museau, effleurant le rétroviseur. Marie-Hélène Lafont, ça ne vous manque pas d'avoir un, un vrai public C'est le moment qui est trop petit. Évidemment, c'est une frustration douloureuse, d'autant plus que j'ai la chance euh, de beaucoup accompagner mes livres, et notamment dans le cadre du festival euh, Lac, euh, de, de partager le texte comme on, comme on allume un feu, vous voyez, avec euh, une sorte de, 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 de corps à corps, euh, avec des lectrices, des lecteurs. Euh, c'est une chance inouïe de vivre ces moments-là. Ça nous manque infiniment, et encore une fois, euh, faute de grive mangeons des merles. Donc, tentons d'inventer une autre façon. Alors, on parle ici d'un partage physique du mmh. texte, mais cette période d'enfermement, mmh. est-ce qu'elle n'est pas finalement favorable à la lecture Alors, évidemment, on le sait d'ailleurs, hein, les, les, les librairies, euh, quand elles sont ouvertes, et désormais elles sont commerce essentiel, ont accueilli beaucoup de lecteurs. Donc, évidemment que c'est une période favorable à la lecture, activité solitaire, etc. Mais le, le partage me semble aussi extrêmement essentiel et nous en sommes euh, hélas privés. Alors c'est une, une période qui peut être considérée comme favorable aux lectures de fond et euh, comme favorable à l'écriture aussi, il faut bien le dire. Alors vous, vous avez offert quelque chose, vous avez partagé un, un roman pendant cette période qui s'appelle Histoire du fils, qui a reçu le prix Renaudot l'hiver dernier. Qu'est-ce que ça a changé pour vous Écoutez, euh, ce prix Renaudot décerné dans ces circonstances particulières qu'on sanitaire oblige, a permis à ce livre histoire du fils de trouver un lectorat bien plus important que celui de mes précédents livres qui avaient pourtant tracé leur sillage, leur sillon pardon euh, parce que tout simplement euh, un prix évidemment euh, c'est un, un facteur d'exposition énorme pour un livre donc en dépit des contraintes sanitaires, en dépit du fait que je n'ai pas pu accompagner le livre, il a magnifiquement trouvé sa place en librairie donc euh, c'est une très grande chance pour un livre, pour un éditeur, puisque mon éditeur et moi travaillons ensemble depuis 20 ans. Et les libraires et les bibliothécaires, depuis 20 ans, ont été aussi euh, extrêmement fidèles et tenaces. – Merci Marie-Hélène Laffont d'avoir accepté notre invitation. Le festival Littérature au Centre, c'est donc sur Internet cette année, sur le site littératureaucentre.net.